lajele muso entusha wodwani mugo kilaje kuma jande sira titiri densira ela nakuyate densira nyangale ba densira sira mina makeki sena make to sira na make moro sira e sira mi ene ameriki janjo ke na be kobo odike abe kobo odike ale ko mi ke sira na make nyono yi gede mi senuka kana joroko gele muso gele mi senuka epima douce intouchable. Tu vois quelle sens s'en va. Il t'a mousso, bobe mousso complexé. Ni filatro, mais s'appelle l'intouchable. J'aime ça, mais n'a pas marre au match. Allez, Mika Maki, nous en ouye. Mais ce qui est donc donné, il voit TV la mort qui l'a dégidouani. Il va quoi voir de Kaiki, quand la mort a douani, moi qui touche douani, qu'a douani, il nous fait un angata. Allez, Mika Maki, nous en ouye ça. La diva, vraiment, tu m'as tué tout à l'heure. Merci. Mais vraiment, mesdames et messieurs, Fafa, c'est une émission hein, qui rentre où ça doit rentrer. Ça dit, je suis assis, j'écoute Madiana Fitini chanter, ça me traverse le corps, même si je ne comprends pas. Hein, tu dis quoi dans la chanson et puis ça me... Hein? J'ai dit comme ça que la vie a vraiment changé. Chacun ne sait pas ce que chacun pense de quelqu'un. Mm-hmm. Le monde a changé aujourd'hui, mm-hmm. On ne sait plus qui est qui. Mm-hmm. Tu peux rire avec quelqu'un aujourd'hui et puis la personne ne t'aime pas. Donc c'est ce que je dis un peu. Non, vraiment, bravo. Mais est-ce que le son, il est sorti ou... Bon, le son n'est pas encore sorti. Parce que moi, j'ai jamais écouté ça, c'est la première fois. Bientôt, Inch'Allah, ça va sortir. Je vais le dédier à mon parrain, Monsieur Blanchard Diaby, Inch'Allah. Monsieur Blanchard Diaby, ah, vraiment, salut. Salutations, le père. Ah, vraiment, le nom est sorti dans Fafa, c'est pas cadeau. Hein. Je vais accompagner Madjene chez toi pour prendre les enveloppes, toi-même, tu sais. En tout cas, salut à toi là-bas. Pourquoi je voulais que vous faites ça en direct là-bas. Ah, n'y tiens encore. C'est qu'elle suit, va regarder. C'est propre. Pourquoi l'intouchable? Pourquoi tu t'es fait appeler l'intouchable? L'intouchable, je ne me suis pas fait appeler l'intouchable. C'est les fans qui m'ont donné le nom. Et pourquoi? Parce que chaque morceau, quand je fais sortir, je ne suis jamais. Les gens apprécient mes morceaux. Mes sons, mes cinq que j'ai fait sortir. Donc mes fans ont décidé de m'appeler l'intouchable de la musique mandingue. D'accord, puis tu as aimé, puis tu as pris ça. Et puis j'ai pris ça aussi. D'accord. Donc tu veux dire quoi? Parce que quand tu dis que quand tu fais sortir à chaque fois ça marche, c'est comme si il y a les gens qui sont derrière qui ne veulent pas que ça marche. Mais toi, non, ça marche. Toujours. Hein? Bon, je ne vois pas. Hein? Uh-huh. Bon, je ne sais pas qui est derrière qui ne veut pas que ça marche. En tout cas, moi, c'est mes fans qui m'ont donné le nom. Ah, d'accord. Ok. Donc, Madjene Fitini, mesdames et messieurs, nous sommes avec Madjene Fitini, une chanteuse de musique mandingue, quelqu'un qui fait très fort dans ce pays. Voilà, et Fafa, c'est pas seulement l'émission des coupés décalés, c'est pas seulement l'émission des zougous, c'est pas seulement l'émission des chanteurs, on reçoit toutes les célébrités. Aujourd'hui, comme nous sommes dans un mois, ouais, un peu non, donc il fallait que je vienne chez Madjene Fitini pour lui poser les vraies questions. Elle peut pas fuir aujourd'hui, les vraies questions. Elle s'attend à ça. Voilà. Alors,
dis-moi, Madjane Fitini, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Madjane Fitini? Présente-toi aux téléspectateurs, à ceux qui viennent de nous. Madjane Fitini, c'est Diara Souba Madjane à l'état civil. Et mon nom d'artiste, c'est Madjane Fitini l'intouchable. Et pourquoi Madjane Fitini? Pourquoi Fitini? Fitini, tu sais. Ah, Fitini, ça veut dire petit. Petit, parce que quand les enfants naissent chez beaucoup de djoulas, quand tu as ton homonyme qui est grande dans la cour, et puis on dit Madjane grande, Madjane petit. Donc, comme mon homonyme, elle c'était ma grande, on l'appelait Madjane Koroba, et moi on m'appelait Madjane Fitini. Et donc, c'est ce nom-là qui m'a sauvé. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Oui. D'accord, mais comment est-ce que tu arrives, comment est-ce que tu arrives à la musique? Nous tous on est nés dans la musique. Il faut dire que dans notre famille, tous nos mamans sont des chanteuses. Bon, même nos tontons, ce sont des guitaristes. Donc, on a été élevés comme ça dans une grande cour, des griots, des kouyatés. Donc, chez nous, dans notre cour, c'est la musique qui est là-bas. D'accord. Donc, toi, quand tu as commencé la musique, là, est-ce que tu as commencé en même temps à sortir des chansons ou bien tu as commencé comme les autres dans les mariages, dans les baptêmes? Moi j'ai commencé depuis toute petite, depuis 7 ans. Ah bon? Oui, à 7 ans tu chantais déjà? À 7 ans je chantais, l'année où Belinda a fait sortir son album Belinda Show. Ouais. Donc comme j'étais éveillée beaucoup, ma maman a vu ça, elle a aimé, donc elle voulait que je chante en djoula comme ça. Donc elle est rentrée avec moi en studio, malheureusement elle est tombée malade, elle est décédée. Vraiment? J'ai pas pu continuer. J'ai continué les écoles. Arrivé au CM2, j'ai vu que ça peut pas, l'école ne va pas avec moi. Je suis sortie, j'ai commencé à suivre. Je partais dans les cérémonies, mandingues, les mariages, je partais chanter là-bas. Jusqu'à quand j'ai eu un peu, j'ai fait mon single intitulé La Force Tranquille. Qui est sorti en quelle année? En 2010. D'accord. D'accord. Et ça s'est comporté comment les singles? Ça a marché? Les gens ont beaucoup aimé. Jusqu'à présent, les gens aiment le morceau. Oche ibara waji kankelera Gausu kwane weche ibara waji kankelera. Donc c'est un peu ça. Vraiment? Allez, on sent qu'elle est née comme ça. Allez, on passe même pas la voix sur en même temps. C'est comme ça. Alors, quels sont les... Je sais que ça fait un moment que maintenant tu es dans la musique. Ça doit faire plus de 10 ans. Mais dis-moi, dans tes débuts, là, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce milieu? Parce que c'est un milieu que c'est pas tout le monde qui fréquente ce milieu-là. Donc, quelles sont les difficultés qu'une chanteuse mandingue peut rencontrer quand elle commence sa carrière? Bon, les difficultés, d'abord, moi je dis, une chanteuse mandingue même, au niveau de la carrière, pour dire que avoir les moyens, je pense que pour avoir les moyens, c'est plus facile chez nous. Parce que depuis même tu n'es pas encore connue, tu peux faire tes événements, mariage pour avoir l'argent, mais c'est pour être connue qui est le problème. Pour que tu sors, les gens te voient partout. C'est-à-dire que le showbiz même, c'est, il faut avoir un peu sur toi pour qu'on puisse te... Mais le milieu mandingue, c'est un peu serré en fait. Donc c'est ça qui est le plus grand problème Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué, vous, de votre côté? Parce que moi, j'ai vu des chanteuses mandingues, on ne les connaît pas. Mais elles ont trop d'argent. C'est-à-dire qu'elle va chanter dans le mariage, même elle peut partir à 2 millions, 3 millions, mais on ne la connaît pas. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Oui, parce que la plupart aussi, il faut dire que, bon, une chanteuse mandingue qui va faire sortir son album, tu vas la dire que, bon, on a besoin de toi à un samedi. Oh, pourtant, il y a son djemé-djemé quelque part. Je pense qu'elle va préférer son djemé-djemé qu'aller passer dans... Elle va préférer son djemé-djemé qu'aller passer. Oh, pourtant, passer dans les trucs dans les émissions télévisées et tout les ça. Les émissions télé, ça te fait encore star. Djemé-djemé, tu vas avoir l'argent, mais tu es limité. D'accord. C'est ça aussi qui fait un peu les artistes mandingues. Il faut qu'ils voient un peu ce côté. Voilà. Ils préfèrent aller chercher l'argent que de chercher la célébrité. Merci. Or, si tu es célèbre, si on te donnait peut-être 50 000 pour venir chanter merci dans Djemé, beaucoup. On va te donner 200 000. Parce que tu es connu. Merci beaucoup. Et c'est ce que beaucoup. On n'a pas vite vu, quoi. Mais maintenant, tout le monde commence à voir. Tout le monde commence à voir parce que hein, y a certains qui passent beaucoup à la télé. Oui, par exemple, hein, on dit que c'est ta soeur, Afou Keita. Oui, elle passe beaucoup à la télé. Donc aujourd'hui, là, c'est le gros cachet. Hein. Oui, c'est le gros cachet. Ta soeur même, et puis bon, on dit non, que vous êtes en palabre et tout ça, c'est pourquoi. C'est farfa, c'est comme ça, on pose des vraies questions. On n'est pas en palabre. Est-ce que petite soeur peut faire palabre avec sa grande soeur? Entre vous, qui est la grande soeur? Dans chaque famille, il y a toujours une petite truc. Dans toutes les mêmes, toi-même dans ta famille, là, il y a quelque chose. Tant que vous êtes ensemble, la force, vous allez avoir des petits trucs, des petits soucis ensemble. Vous, pour vous l'endez, c'est pas et puis après, truc. Ça passe quoi. Pour vous l'endez, c'est pas petit truc.
sinon c'est fini. Hein. Tout est fini, tout est déjà arrivé. Vous-même là, vous êtes des soeurs, vous faites pas là jusqu'à tout le monde au courant de ça. Ah, c'est quelle famille ça là. On fait pas là, on fait ça dans la maison, mais vous vous faites pas là jusqu'à nous autres même, on comprend pas Djoula, nous on sait que vous êtes en pas là. Ça dépend parce que nous-mêmes là, nous connaît dans le milieu du lot, nous connaît, on n'est pas caché. Donc, tu sais, les artistes là, quand vous n'êtes pas caché là, un petit truc là, ça sort. Sinon, c'était même pas arrivé à ça et puis ça passait. Hein. Je pense que ça passait, ça va aujourd'hui, tout est ok. Ah, tout est ok. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de palabres. Il n'y a plus de palabres, tout est ok. Mm-hmm. Ah, parce que nous, on nous a dit non, que, vous voyez, elle disait que non, tu fais trop comme elle, tu veux chanter comme elle. Mm-hmm. Voilà, comme on dit, elle est arrogante, toi, si tu veux être arrogante. Ça veut dire que tu veux forcément faire comme elle. Apparemment, c'est ça qui a créé le palabre. Mais... Moi, c'est comme ça. Uh-huh. Je ne vais pas changer mon habitude. Uh-huh. Mais bon, si je vais faire comme elle, c'est ça aussi, c'est bien. Je pense qu'elle doit dire « Alhamdoulilah, Rabbi Alamina » parce que « Bébé, Allah dans le mouro et buko, mimi lade » Si moi, je n'ai pas cherché à ressembler à quelqu'un d'autre que elle, ma propre soeur, je pense que c'est normal. D'accord. Donc, et je suis fière aussi de ça. D'accord. Donc, actuellement, elle t'appelle, elle te soutient dans ce que tu fais. Ton oui, là, c'est pas trop... C'est le dernier, c'est comme ça. Je fatigue les gens, c'est comme ça. Hein, ton oui, là, c'est pas trop clair. Hein? Pourquoi? Oui, il n'y a rien, tout est fini. Ah, tout est fini. Mm-hmm. D'accord, Dieu merci. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Madjane Fitini, artiste chanteuse mandingue de ce pays, la Côte d'Ivoire. On est fiers de la voix ici. Voilà, c'est important. Alors, dis-moi, voilà, dans le milieu mandingue, là, moi, je suis étonné de voir que. Bon, vous mettez quoi sur vous-même? Parce qu'on dit que vous, là, votre affaire des médicaments est trop. Mmh. Que vous allez beaucoup chez les marabouts, chez les féticheurs pour dire oui, moi, là, donne-moi quelque chose, je vais boire. Mais je vais mettre sur ma langue. Quand il commence à chanter, là, en même temps, quelque chose doit se passer. L'argent doit venir. Parce que moi, il y a un griot qui m'a attrapé d'un mariage un jour, là. Quand il a commencé à naître, moi-même, c'est comme si on me pousse même à lui donner l'argent. Comment vous faites ça? Parce qu'on dit que vous faites trop de médicaments. Moi, je ne fais rien. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais moi, je ne sais rien, franchement. Je ne fais rien. Je suis naturelle, puisque je suis née dedans. Donc, c'est dans le sang. Il paraît que vous, chez vous, là, c'est un code. Ça dit que chez vous, là, il faut forcément aller chez les marabouts et tout ça. Il ne faut pas parler. Nous, on est nés dedans. Au fait, tu sais, c'est comme si tu es né pour voir tes parents riches. Mm-hmm. Donc, ta richesse ne doit pas étonner les gens. C'est comme chez nous, on est né pour voir notre maman sont des artistes, elles sont connues dans le milieu mandingue partout. Mmh, mmh. Donc pour nous, là, ça ne doit pas étonner les gens. Nous, on est venu trouver ces DA cuits. Mmh. Voilà, donc c'est pas la même chose. Quoi. Mais donc, voilà. Non, et tout, tout ça là, c'est. Quoi hein? Tout ça là, c'est. Moi, ici, je ne peux pas toi. Hein? Toi aussi. Ça, c'est le truc, ça n'a pas d'importance. Quoi. Non, c'est là. Tu as porté, il y a une bague qui n'est pas en or là. Tout ça, c'est or. Les bagues qui n'est pas en or là. C'est bague de mariage, ça n'a rien à voir. C'est bague de mariage. Bague de mariage, on ne met pas ça ici, on met ça ici. Ah, ok, j'ai compris. Attends, tu as changé maintenant. Ok, j'ai compris. C'est bague de mariage. Mesdames et messieurs, plage musicale. Et on revient, on est toujours avec Madjane Fitini. Fafa, toujours derrière. Avec la cantatrice, ouais, Madjane Fitini, trop belle, elle chante trop bien. Moi-même, je suis mélangé. Hein? Alors, dis-moi, Madjane, quelles sont tes relations avec les artistes qui font la même musique que toi, c'est-à-dire les chanteuses, les chanteurs aussi de musique mondaine? Quelles sont les relations que vous avez? Bon, je m'entends très bien avec tout le monde, j'ai pas de problème. Tel que Petit Papou, lui, c'est mon artiste même de nature. Mmh. Et quand j'ai mes cérémonies, c'est lui que j'appelle. D'accord. Pour faire mes trucs. Donc lui-même, c'est mon artiste. D'accord. Voilà. D'accord. Donc je m'entends avec tout le monde, j'ai pas de problème. T'as pas de problème même avec les vieilles mères, tout ça. Non, les mamans taurées, Aïcha connaît les mamans là, tout ça. Pas de problème, c'est mes mamans. Mm-hmm. Donc on doit au respect. Ouais, donc j'ai pas de problème. Bien sûr. Et les artistes, les autres artistes qui font pas la musique mandingue, est-ce que tu as des affiches, est-ce que tu as des camaraderies avec certains? Elle, tout ce qu'on se voit dans les trucs, les événements, les trucs, on se salue, on se voit. Bon, ma mère Sarah, elle, c'est comme ma soeur. Mm-hmm. Oui, parce que quand j'ai besoin d'elle, je l'appelle. Quand elle a besoin de moi, on s'appelle, en tout cas, pour se donner le coup de main, au côté de la musique, quoi. Bien sûr, je vois. Ah, d'accord, c'est super. Alors, tout à l'heure, je parlais de ce qui se passe dans votre milieu de griots, de griottes et tout ça, les médicaments, les sorts que les gens se lancent. Bon, nous, on a appris qu'à Paris, tu as eu un problème comme ça, du genre, voilà, tu avais un spectacle, les gens ont voulu boycotter. Bon, explique-nous un peu, parce que... Tu sais, les gens aiment rencontrer des rumeurs. Mm-hmm. Bon, tu sais, je suis allée à Paris,
Alhamdoulilah, les gens m'ont choisi. Ils voulaient que c'est moi qui parte faire. Mm-hmm. Ils ont fait un tirage au sort. D'accord. Bon, on veut que vous voulez quel artiste qui vienne faire le grand saumon de cette année à Paris. Les Parisiens ont eu leur choix sur moi. Ils ont dit que c'est Madjene on veut. Je suis partie. Tu sais, dans tous les camps, il y a chacun, il y a son fan. Chaque artiste a son fan. Donc, il y a des fans qui voulaient boycotter, mais les gens sont sortis. Les fans de qui? Les fans de qui? Il faut parler. Bon, si je dis il y a des fans qui voulaient boycotter, sincèrement, je n'ai pas vu quelqu'un boycotter parce que je suis allée à Paris, je ne suis même pas sortie. Mmh. C'est les ondes. Mmh. J'ai appris comme ça. D'accord. Après, quand je suis moi-même, je pensais que les gens n'allaient pas sortir. Mmh. Mais quand je suis partie, je suis rentrée sur la salle. Dès que j'ai pris le micro, quand j'ai vu la foule, non. Et le parrain est venu gâter en même temps. Ouais. Lui, il est venu tout mélanger, mélanger. Dès qu'il a mélangé, je suis descendue à Bidjala. Ma tête même est Nyarami blanchard. Tellement il m'a Nyarami est l'argent. Ouais, ouais, donc, pour dire seulement que... Ouais. On ne peut pas, le soleil, là, on ne peut pas le cacher avec la main. D'accord. Okay. Même si tu es fâché avec moi, je suis comme ça. Je vais être fâché avec toi, comment je ne peux pas chercher à nuire ta carrière. Parce que c'est de ça que tu vis. D'accord. On appelle ça la méchanceté. Tu peux régler le cas de quelqu'un hors de sa carrière ou hors de sa marchandise ou où il gagne l'argent. Ouais. On peut faire parler avec quelqu'un sans le nu ou il mange quoi. D'accord. Donc, parce que quand tu dis ça là, moi déjà, c'est moi en tant qu'un grand affairé, quand tu dis ça là, ça me met la puce à l'oreille. C'est comme si quelqu'un essayait de nuire à ta carrière, mais tu n'as pas dit son nom. Non. Hein? Bah, tu dis si tu veux nuire à la carrière de quelqu'un, il faut laisser sa carrière, il faut l'attaquer quelque part là-bas, il faut régler, mais pas là où la personne mange. On dirait que quelqu'un voulait mettre ça dans ton attiqué. Non, j'ai dit ça, un proverbe comme ça. Mm-hmm. On voulait mettre ça dans ton attiqué. Non, personne. Mm-hmm. Je peux dire que personne pouvait, moi, sans voulait mettre le sable dans mon attiqué. Je pense que c'était déjà mettre. Mais on ne peut pas mettre tout dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide le destin de quelqu'un. Non, vraiment. Elle a réponse à tout. Là, je vais la bloquer même. Elle a la réponse à tout. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Le dernier aujourd'hui, je ne me comprends pas. Elle a réponse à tout. Non, okay. Mais c'est qui est la vérité, ça c'est quoi? Non, il n'y a pas de problème. Alors, dans votre milieu, il paraît que vous vendez beaucoup puisque les artistes. Mais tu aimes notre milieu, il faut quitter dans mon milieu maintenant, mais il faut parler de l'autre. Non, tu n'as pas l'autre. C'est le milieu, il faut qu'on sache. Tu as ferré, hein? Il faut qu'on sache. Hein? Parce que. Comme toi-même tu as dit. Dans notre milieu là, Toi-même tu as dit que dans le milieu, vous êtes un peu dans votre coin. C'est-à-dire que les artistes mondains n'essaient pas de côtoyer les autres milieux. Donc il faut que les téléspectateurs sachent ce qui se passe réellement dans votre milieu. C'est pourquoi je demande. Non, je ne t'ai pas dit que les artistes, il ne faut pas venir. Je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas dire que j'ai dit que les artistes. En fait, j'ai dit que ce qui est le problème. Des artistes maintenant aujourd'hui, ils vont te dire va à si tu es un djemé là, tu serais pas prêt pour laisser ton djemé pour aller à voilà un donc, petit ça t'empêche truc. D'être vu en fait. Voilà, télé, merci beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes ont compris tout parce que tout le monde veut être star, tout le monde veut être diva, tout le monde veut être international. Qui veut rester derrière le travail que tu commences là, tu veux évoluer dedans. Ah, pourtant, ce qui peut te faire évoluer là, c'est cette voie là qu'il faut suivre. Je pense que souvent il faut laisser les djemé et allons dans les spectacles. C'est très bon pour nous. Ça me concerne moi-même. Oui, bien sûr. Oui, tiens. À propos des spectacles, à part les spectacles, est-ce que vous arrivez à vendre les CD correctement? Oui, on arrive à vendre les CD correctement. On arrive à vendre. D'accord. Là, vous arrivez à vendre les CD. Oui. Bon, Madjene Fitine a déjà fait combien de ventes par exemple? Si. Moi, mes fans en tout cas ont payé. Parce que Birida là, quoi, Kacha? En tout cas, on m'a appelé au Birida, on m'a envoyé un message que Birida dit de partir. Je suis parti. On m'a donné, mais tu veux connaître mon agent de Birida? Non, moi, c'est pas ça, je veux connaître. Je veux savoir combien de CD tu arrives à vendre par exemple. CD. Ouais, 1000 CD. Bon, 2000 mon CD, c'est 500, mon producteur 300. Qui connaît là, moi, d'accord. Je connais pas. Ah. Moi, en tout cas, je ne me suis pas produit mon premier album. C'est d'accord. Lui qui m'a produit. D'accord. Et cet album-là? Ça, là aussi, là, c'est General Fa. D'accord. Il m'a dit que j'aime ta manière de passage. Chanter. Oui, General oui, oui. Fa, ouais. Et Allah. Mouti Ouattara Nikiseti Ouattara. Ibrahima Ouattara D. Et Allah. Sénika Diala Tchekele Mina. Abidjan Siri Diala Tchekele Mina. Nama Wasso, Nama Yada.
Comment le général Faure m'a dit millions de orangs qui dit le général Faure. Vous savez, général Faure. Comment le général Faure? Le général Faure comme ça. Aïe, aïe, Ouattaradozo. Namo, namo. Aïe, Kera de Bengara, Tigi Fé, Ouattarala. Non, mais à chaque fois qu'elle te pose des questions, tu as envie de dire non des gens, mais tu évites de dire non. Là, tu as peur. Tu as peur que quelqu'un te dise. Pourquoi tu veux que j'ai dit non français? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je te dis que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je sais que je n'ai rien contre quelqu'un. D'accord. Pourquoi? Moi-même, je chante la paix. Donc, si moi-même, je viens m'asseoir à la télé pour dire que je suis en parler avec quelqu'un, là, les gens me disent que, mais est-ce que toi, tu es normal? Donc, ce que tu dis là, tu ne fais pas. Moi-même, je chante la paix. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je ne peux pas en parler avec quelqu'un. Je m'entends avec tout le monde. Mmh. Et même si quelqu'un même avoue que je suis en parler avec lui, je vais lui demander pardon. D'accord. Oh, yerema, yerema, so, yerema, yerema, so, tu es flaf, la, le, ye, dane, alala. Yerema, 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 so, mora, kanga, sabari. Yerema, yerema, so, limani, yakadi. Yerema, yerema, so, eh, obena, warati. Yerema, yerema, so. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Ah, vraiment, ça dit que me blaguer, elle parle un peu, comment ça chanter. Que j'oublie mes questions. Mais est-ce que vous arrivez aussi à avoir le succès dans les autres pays où on fait la musique modernaire, comme le Mali, la Guinée, dans ces autres pays-là? Est-ce que vous, les artistes ivoiriens qui faites la musique modernaire, est-ce que vous arrivez à vous exporter là-bas? Oui, oui, oui. Nous-mêmes, on est quand on arrive comme ça en Guinée. En Guinée, même nous-mêmes, quand on va au Libéria, quand nous-mêmes, on va. C'est-à-dire que dans les pays turcs, là, on est les inter là-bas, les stars inter. Ouais. Et je peux te dire que j'ai pris le trophée du meilleur clip l'année passée au Mali, à Bamako, sur Africa Show. Oui, oui, oui. Bravo, bravo. Sur Africa Show, on m'a donné le trophée meilleur clip de l'année. Que je salue aussi les Maliens du passage. Ouais. Et tous mes fans qui sont partout dans le monde. Ouais. Je leur fais un gros coucou. Madeleine, est-ce que tu es sur Facebook, est-ce que tu es sur Instagram, est-ce que tu es sur YouTube? Bon, YouTube, je sais, mais je veux dire, de la façon dont les autres artistes sont tout le temps sur Instagram en train de poster des photos, des vidéos, est-ce que toi, tu fais ça aussi? Oui, bon, avant, je faisais ça, je me basais dessus, mais maintenant, comme j'ai eu des conseils, mon staff m'a dit, ah, tu es une artiste. Toi, il faut travailler et laisse l'Internet avec nous parce que les réseaux sociaux ne sont pas bons. Toi, il faut travailler et donne-nous. Nous, on va s'occuper de ça. Donc, je pense que c'est mon staff qui s'occupe de mon compte Facebook. Moi-même, je ne suis plus dessus comme ça. Comme à part la musique, je suis une femme ménagère à la maison. D'accord, d'accord. Moi, Jeannette, tu es mariée, non? Oui, oui, oui. D'accord. Et ton mari, ça va? Il ne se plaint pas? Il ne se plaint pas, tout ça? Il n'y a pas de problème, tout va bien. D'accord. Dieu merci, Dieu merci. Elle est à l'honneur aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis reçu, bon, ils sont en train de braiser de la viande, on va couper le carême tout à l'heure, il y a du thé. Bon, ça dit, mes amis Djoula, personne ne m'a déjà invité à couper le carême comme ça. Donc ça là, franchement dit, je suis content. Mais je vais poser quand même les questions, malgré ça. Alors, Madjane, dis-moi, actuellement là, on parle trop de toi. Hein? J'étais même à Paris, on me dit non, Madjane vient chanter, il y a rime, le coin est rempli. Ça dit, tu es ici, tu es là-bas, tu es partout en même temps. Ton médicament est fort, hein? Comment tu fais? Sais-tu, je t'ai dit que c'est un don de Dieu, c'est venu du sang, ça est dans notre sang. Donc, ça ne doit pas étonner quelqu'un. Hein? Ce que Dieu a fait avec ce que le marabout va faire, ça ne serait jamais la même chose. C'est naturel, c'est Dieu qui est fort. Et c'est lui qui a le dernier mot. Donc, je le remercie. C'est grâce à Dieu qu'on dit aujourd'hui, Madjane, Madjane, l'intouchable de la musique manée en Côte d'Ivoire. C'est grâce au bon Dieu et je le remercie. Et c'est dans sa bouche. Alors, donc, on dit que dans la nouvelle génération, parce que partout il y a une nouvelle génération, peu de calo, il y a une nouvelle génération, Zulu, rap, partout. On dit maintenant dans la nouvelle génération de la musique mondaine, c'est toi qui est devant moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y en a qui disent que c'est foutaise, que c'est pas vrai, tout ça, ça crée des jalousies, tout ça là. Les vieilles mères aussi, ils sont pas. Dans toutes choses, il y a la jalousie. Hein. Je pense que, on dit Mourotaïre, toi-même, là, tu ne peux pas te décrire. C'est les gens qui te décrivent. D'accord. Je pense que si on dit on va compter aujourd'hui, parmi les cinq premiers, j'ajoute les grands, je n'ai pas dit ma génération même, parmi les cinq premiers artistes mandingues en Côte d'Ivoire ici, je fais partie dedans. Oui.
Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est les différents bambous que tu as. Non, 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 c'est même pas ça. Parce que ce que je chante aussi, j'ai confiance à pour moi. Donc si on dit on va compter aujourd'hui les 5 premiers artistes mandingues en Côte d'Ivoire, je fais partie de ces 5 premiers. D'accord. Avec confirmation. D'accord. Madjane Fitini, toi qui es une artiste mandingue, qui est aussi musulmane et tout, voilà. Quand le mois de carême, dans le mois de carême, je sais que tu mets forcément les 30 jours en cas de force majeure. Mais quand tu es en carême et on t'appelle, est-ce que pendant le mois de carême, est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'on t'appelle souvent pour des spectacles aussi et tout dans, quand c'est comme ça, quand ça arrive, est-ce que tu vas ou bien tu préfères rester dans ton carême? Non, non, non. Au mois de carême, tout est bloqué. D'accord. Un mois. On prend 11 mois pour chercher de l'argent. Pourquoi pas un mois pour adorer le bon Dieu? À part les émissions de télé, moi je ne vais pas faire aucun spectacle dans ce mois. Je prie pour mon Dieu, je lui demande pardon pour qu'il me donne la force. Parce que notre travail là, ce n'est pas facile. Si Dieu n'est pas derrière toi, si tu ne pries pas beaucoup, Dieu fait de bien aux gens, fait des sacrifices, fait des dons aux gens, aux pauvres. Vraiment, ce n'est pas facile quoi. D'accord, voilà. Mais parce que comme toi-même tu as dit, votre milieu est difficile. Par exemple, dans votre milieu, là, vous lancez les sorts. Quand une artiste fait trop mal, là, les vieilles mecs qui sont à côté ou bien les autres artistes, on lance sort. Ou bien souvent même tu es en train de chanter dans le mariage de quelqu'un comme ça et puis tu te sens bizarre, les gens te tentent et tout ça là. Donc c'est ce qui fait que votre métier est difficile. On dit il y a trop de médicaments dedans. Bon, on dit ça, mais moi, tu sais que tout est dans la main de Dieu. On ne peut pas, même si quelqu'un te fait du mal, tant que ça ne t'a pas trouvé là, tu peux dire que tu n'as aucun problème ou bien. Donc, en tout cas, on dit ça, et moi aussi j'apprends ça comme ça. On dit qu'il y a des vies, quand les enfants, les petites filles commencent comme ça à chanter, il y a des vieilles mères qui cherchent à détruire, qui font tout. Mais moi aujourd'hui, je dis à Alhamdoulaye, parce que moi-même, je ne m'amuse pas avec la prière. T'es sûr que c'est la prière seulement du temps? Je suis très croyante. Mm-hmm. Je crois au bon Dieu. Je sais que tu montes. C'est pas toi qui m'as mis au monde. Mis au monde. Mm-hmm. À part mon père et ma mère. Mm-hmm. Tu m'as pas mis au monde. Donc tu n'es pas le maître. Comme on dit ça comme le mot méchant. Français manor. Donc si je meurs, c'est que c'est pas toi. C'est Dieu qui a décidé. Mm-hmm. C'est ce qui est dans ma tête. Ou bien si je suis, c'est Dieu qui a décidé. Mais si je ne suis pas aussi, c'est le bon Dieu. Tu n'es pas le maître de ma vie. Moi, c'est ce que je mets dans ma tête. Quand tu mets, soyons positifs dans la vie, quand tu mets ça dans ta tête, je pense que tout va bien. Vous dites qu'on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Moi, je ne marche pas avec ça. Parce que je crois au bon Dieu, je suis croyante. D'accord. Ok, Madjane Fitini, quels sont les sujets que tu abordes dans tes chansons? C'est-à-dire, dans tes chansons, là, tu parles de quoi dans tes chansons? Un peu de tous les faits de société, l'hypocrisie, la jalousie, et je parle aussi du pardon, la paix. Je parle un peu de tout. D'accord. Mm-hmm. Donc, actuellement, ça te fait maintenant combien d'albums depuis que tu chantes? C'est mon deuxième album. D'accord. C'est mon deuxième album. Plus beaucoup de singles. Mm-hmm. Ah, donc, ça veut dire que quand tu sors un album, après tu sors des singles. Les singles. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Donc, Madjane Fitini, on t'invite dans un coin. Aujourd'hui, maintenant, tu es devenue une artiste. On t'invite dans un coin. On doit te donner combien pour que tu viennes chanter? Parce qu'on nous a dit que tu es trop cher. Mes fans, ceux qui m'aiment vraiment là, venez, je ne suis pas cher. On va tomber d'accord. Mais il faut nous dire en même temps. Ce que tu as là, c'est ce que tu peux me donner. Ce que tu n'as pas là, tu ne peux pas me donner. Ah, c'est trop facile. Ne dites pas que je suis pas cher, venez. Je ne suis même pas compliqué même. Uh-huh. C'est mon tout qui est là. Uh-huh. Venez, on va parler entre nous et puis ça va. En tout cas, je ne vais pas vous laisser quoi. En tout cas, on va s'arranger et puis on va tomber d'accord. Je ne suis pas cher, venez. N'ayez pas peur de moi. Et j'en profite pour dire qu'aussi, j'ai mon concert le 29 juin. Aline Sac de Cocody, mes fans. Eh, ni be fait qu'à Madjane. Ni be fait qu'à ni. Aignons sur l'Aline Sac là. Quoi faire côté ou quoi diminuer ou n'y a diminuer. Aïe, n'a mis n'y a l'Aline Sac là. N'a ou la demina drompe avec la canne. Donc, fin en fan, ben, il va sortir massivement mon concert dédicace. Un album de 14 titres, Aline Sac de Cocody, le 29 juin. Ça va se savoir. Ah, l'appel est déjà lancé. Le dernier, il ne peut plus trop parler. On vous attend le 29. Voilà. Alors, c'est la pub. Nous, on a appris. Hein. Tu sais, nous, on apprend toujours. On a appris que c'est le général Fag qui est ton mari.
Oh, arrêtez le truc de baisse qui sont si intéressants. Nous-mêmes, pour faire même. Nous-mêmes, quand on a vu ça, on a commencé à rire. Même quand le clip même est sorti, là, moi-même, nous-mêmes, on a balancé. Donc, comme il y a trop d'affaires, pour qu'ils suivent, même, on gagne plus de vues, on a mis, ok, voici le mariage maintenant de Général Fah, pour que les gens voient de vue. Sinon, je vais te dire, Général Fah, c'est le mari à moi-même, ma fistine, que j'aime beaucoup et qui m'aime. Celle-même qui a créé un fan club à mon nom à Paris, à Djadjabi et à la Mori Djabide, à Nisarando Mouyade, à San, à Kiwola, à Wola. C'est-à-dire que quand il y a mes familles, à Madjou Fakwa. À Wola à Kikanou. À Wola à Kikanou, quand il y a mes fils, il français. Ça, pourquoi j'oublie les questions? Car il y a un fan club à Djadjabi, 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 il y a un fan. Et Reba, Ibene, on se connaît donc, il n'y a rien, tranquille. Oui, tranquille, non. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu me parlais du prix du clip vidéo que tu as eu. Voilà. Donc, à part ça, est-ce que tu as eu d'autres prix? Est-ce qu'on t'a récompensé aussi ailleurs et tout? Non. Pas encore. Je n'ai pas encore été récompensé. Je suis prêt à dire avec le travail. C'est le travail qui paye. Oui, forcément. Ça va aller. D'accord. On est sur le chemin. Le chemin est long. Il y a beaucoup de trucs à faire. D'accord, ok. Donc, comment tu comptes orienter maintenant ta carrière? C'est-à-dire, tu as dit que maintenant tu as un staff managérial qui gère ton Facebook, qui gère ton Instagram et tout. Voilà. Est-ce que, Madjane, c'est vrai, tu es connu à l'international, mais est-ce que tu veux maintenant dépasser même les frontières, te faire connaître par les blancs et tout ça? Oui, comment tu organises tout ça? Je vais me faire connaître, Inch'Allah. Tu sais que l'homme propose, Dieu dispose. En tout cas, je demande au bon Dieu de mettre la main sur le projet que nous sommes en train de faire. Inch'Allah, que Allah facilite tout. Que Allah augmente encore nos projets. Tout est dans la main de Dieu. Inch'Allah, ça va. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi et tranquillement et tout ça. Okay. Voilà. Toi-même, tu as dit que tu as commencé tôt, à l'âge de 7 ans déjà, tu commençais à chanter. Okay. Je sais qu'il y a des jeunes filles aussi qui ont envie d'être comme toi et tout. Mm-hmm. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes filles-là? Bon, ce que je peux dire à ces petites filles-là, qu'elles se mettent au travail. Faut pas, elles vont courir derrière les garçons. Parce que les hommes, tu peux te donner tout aujourd'hui, mais il n'y a pas de fin dedans. Ce que toi-même tu vas chercher là, c'est ce qui, il aura la fin dedans. C'est ce que je peux leur conseiller. Tout ce que tu fais avec amour, même si tu vends du piment, si tu le fais avec amour, tu peux avoir un magasin de piment un jour. Et tu peux acheter maison dedans. Donc tout ce que vous faites, faites avec amour dans le travail. C'est tout ce que je peux leur dire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'émission Fafa sur Ivoire TV Musique, canal 209 du Bouquet, canal Sat Africa. Roland Le Benguis réalise cette émission et vous avez toute l'équipe qui est là pour faire le travail comme il faut. Elle nous a reçus chez elle. On nous a reçus très bien dans son jardin et tout. En tout cas, c'était propre. Mais il faut nous faire un petit truc. Hein? Ok, à tout à l'heure. Donc on va faire le show. Let's go. Ivoire TV ko majene ya teleka. No luye to la mai ko kone bendeleke. Na muna ba yo wenge barika bonyana. Foli besendi anya moima. Abiba diori bemi. Abiba diori we ite doi ke je m'en fouye wa. Je m'en fous. Et moussa djoumi ki djouya iya ke je m'en fouye. Je m'en gaba. Sinon djoumi ti fe ito do ke je m'en fouye wa. Je m'en fous. Sambe sambe foli ye ya. Blanche djabi mana wa. Samati la blonda ti lungwa e boni djabi deja. Je m'en fous. Mananka wuru di la de wa ye boni blanche che. Je m'en gaba. Na mwadu misi ti de blanche djabi mana wa. Je m'en fous. Et moi, je m'en ai dit, Soumaya. Naïkanya ou la parole, Ivoire TV, les sababou. Mouna Bayo Manawa, Barakoukou Manawa, Bayo la Kaye Sela, toi ou de Yesela, oh. Ivoire TV, Yesela.